Bonjour à tous. Alors, un tabac vendu en France, le Peterson My Mixture 965. Et vous voyez simplement sur cette photo, c'est quand même un tabac dans la couleur qui est assez homogène. Ok, là j'ai pas mal aspiré quand même, mais oui, globalement c'est agréable là pour l'instant. Les premières bouffées sont bien, hein. Alors, allumage facile. Bon. Par contre, tous les brins là ne sont pas allumés. Donc, je vais donner un petit tour de flamme là. Ça s'allume très bien en tout cas. Hein. Apparemment, il est de combustion très facile. Ça pique pas du tout, ça ne mord pas, ça ne pique pas. Enfin, pour le moment. Hein. Cavendish Latakia, Oriental Virginie. Je pense que c'est un bon équilibre. Hein. Alors, on a un Latakia. Moi, que je ne trouve pas très présent. Hein. Bien que le Latakia se sente finalement soit assez effacé dans ce tabac. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tabac où le Latakia me semble aussi peu présent. En principe, même si on a assez peu, même si on a peu, la plupart du temps dans les tabacs que j'ai déjà fumé à base de Latakia, on a vraiment l'impression qu'il est là présent et que d'une certaine manière, il s'impose peu ou prou, mais là non. Hein. Je pense que là, pour le coup, le Cavendish doit un petit peu adoucir le tout. Sachant que les orientaux, là aussi, pour le moment, sont assez discrets. Mais je sens quand même un petit peu le côté épicé des orientaux. Hein. Ça, sans aucun doute. Alors, je m'attendais à quelque chose de plus savoureux. On m'avait bien dit quand même que ce tabac valait le détour. Or oui, indéniablement. Pour un fumeur comme moi, qui aime bien maintenant quand même varier un peu les horizons, oui. Et pour un amateur d'anglais, évidemment, également. Hein. Cela dit, je trouve quand même que c'est un anglais doux. Alors, doux, non pas dans le sens de moelleux ou de rond, ou de carrément beurré comme le serait le Davidoff Royalty, mais doux dans le sens où il ne produit pas en bouche ou au nez à proprement parler d'inconvénient, hein, d'inconfort. Alors, ça me gratte un peu la gorge quand même. Alors j'aimerais savoir, hein, vraiment, définitivement, si
dans la description d'un tabac à pipe, l'ordre des tabacs composant le mélange importe. Hein? Comme dans l'alimentation, en principe, ce qu'il y a en premier, c'est le plus important, et ça va du plus important au moins important, dans les ingrédients, si je puis dire. Et là, dans les tabacs, je ne sais pas. Il m'avait semblé avoir déjà entendu ça, mais je n'ai jamais pu le vérifier. Hein. Alors, si vous avez l'info sûre et certaine, mettez-la moi en commentaire. Parce que là, en l'occurrence, on a Cavendish Latakia, Oriental Turc Virginie. Je trouve quand même que la fumée, elle est... comment je pourrais dire? Elle est un petit peu râpeuse au nez. Ça ne fait pas que passer, c'est un tabac qui a vraiment du caractère. Hein. Moi, si je devais lui mettre une force par rapport à ça, ce serait 3 sur 5. Hein. On a les orientaux qui se font de plus en plus présents. C'est pas désagréable, hein, c'est pas mal. Moi j'aime bien hein, les orientaux. Je préfère un tabac avec des orientaux sans arôme plutôt qu'un tabac aromatique avec des épices rajoutées, là, comme j'ai pu l'essayer, voire l'éprouver dans le Buckingham de Rat 13. Alors. Sinon, vraiment, dans cette pipe, c'est très bien hein, de fumer. Parce que on a vraiment un fumage régulier. Voilà, je n'ai aucune tendance à l'extinction. Je trouve que c'est un fumage tranquille, doux. Et à peine on tire, hein, on a de la fumée qui arrive. Et je trouve que ça... C'est quand même appréciable. Mais je pense que c'est pas mal dû à la pipe. Hein. Parce qu'à chaque fois que je fume dans cette pipe, j'ai ça. Également, ça doit forcément être dû également au tabac. Hein. Alors, une petite chauffe hein, quand même. Voilà. Hein, ça devient un peu chaud. Bon, tranquille, vers le haut, comme ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas un goût très prononcé. Juste par là, je veux dire par là qu'en bouche, c'est correct, c'est discret, c'est assez fin, hein, somme toute, comme sensation de goût. Vous voyez comme la fumée, elle est généreuse là. Et ce qui sort, j'espère que vous voyez bien, c'est vraiment la fumée, je trouve qu'elle est relativement épaisse, moi. Et ça sort vraiment bien. Hein. Franchement, ce Peterson, il est bien. Hein. Il est bien. Hein. Alors, c'est tout simplement une infusion toute bête, caramel. En soi, le tabac, il n'est pas sucré. Hein. Malgré la présence du Virginie. Après, au niveau de la room note, je ne sais pas s'il peut plaire au public. Hein. Parce que ça fait quand même vraiment tabac très brut. Quoi, hein. Je sais qu'il y a des tabacs anglais que j'ai déjà décrit dont j'apprécie la room note et dont je pense qu'elle serait appréciée par l'entourage hein. Celui-là j'ai du mal à dire à vrai dire j'ai un doute je pense que ce tabac est surtout fait pour le fumeur hein. Alors c'est drôle parce que vraiment, on a une présence de l'Latakia. On la sent, mais vraiment, c'est la première fois et de loin
que je sens dans un tabac latakié une odeur de latakia aussi timide. Alors, serait-ce parce que je commence à m'habituer au latakié? Là aussi, j'ai un doute, hein, je pense pas. Hein. Alors, on a une fumée qui monte quand même assez haut avant de se dissiper. On a un goût de tabac qui se fait graduellement de plus en plus présent. Mais ce n'est pas envahissant. Hein. Alors, vitesse de combustion. Rapide hein, quand même, je pense. Ouais. Alors par contre, j'ai pas dit, hein, quelque chose qui est pas mal. Les cendres ne volent pas. Il y en a très peu sur le bord du foyer. Non. C'est pas mal. Ça fume vraiment bien, hein, voyez. Alors. C'est un peu âcre en bouche quand même, hein, mine de rien. Tout à l'heure, j'ai dit... J'ai peut-être exprimé un petit peu le contraire au début, mais... Non, depuis le début, j'ai un peu un grattement ici. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, à quoi c'est dû? Aux orientaux, peut-être. Là, c'est pareil, hein, les orientaux, ils sont là. Mais j'ai déjà fumé des tabacs dont les orientaux étaient bien plus perceptibles. Jusque-là, le tabac avec des orientaux que j'ai préféré, je pense, hein, avec le recul de souvenirs d'hommes, c'est le JBR Aventure, hein, c'est pourtant un aromatique. Si vous voulez goûter quelque chose d'un peu relevé, de pas trop doucereux, pour débuter ou dans votre, dans votre turnover de tabac, en tant que débutant, vous pouvez essayer le JBR Adventure qui est vendu en France. Alors de plus en plus chaud hein, quand même. Et toujours un tabac qui se fume très facilement. Le fait que déjà il soit assez sec contribue aussi au confort. J'ai réussi à bien le bourrer hein, tranquillement. Bon, les cendres se déposent sur le bord du foyer quand même. Alors, franchement, ce tabac, je trouve que c'est linéaire. Hein. Avec le temps, il n'y a pas vraiment de gros développement de saveur, de changement. On a un peu d'âcreté qui arrive. Bien sûr. Le goût du tabac se fait plus présent en bouche au fil du temps. Je trouve que l'odeur n'est pas forte. Ça, c'est pas mal. L'odeur n'est pas forte. On sent le latakia, mais on ne sent pas que ça. Hein. Je pense que là, ce sont les orientaux que je sens hein, aussi. Bon, le Cavendish doit vraiment, je pense, un peu arrondir hein, quand même. Malgré ce que j'ai pu dire avant sur la rondeur, non. Je pense qu'il doit quand même atténuer l'âcreté potentielle du reste. Hein. C'est un Peterson honorable. Sympa, pas très fort,
que je ne conseillerais pas quand même à un débutant. Hein. Pour un anglais, quelqu'un qui débuterait la pipe, surtout sans avoir jamais fumé avant, non. Hein. Non, parce qu'il a une certaine force quand même. Qu'il a son caractère. Ce qui peut surprendre, c'est le style du tabac, hein, pour un débutant, je pense. Hein. Bon, on m'aurait donné ça. Je pense que j'aurais pas apprécié. Hein. Alors, vous voyez là où je peux sentir à un moment donné des effluves, de l'odeur qui resterait un peu, de l'odeur qui serait bien sûr dégagée par la fumée. En général, c'est ce que je sens quand je fume. J'ai pas vraiment d'effluves, je sens une odeur constante, assez commune, je dirais, finalement, pour un anglais. Moi, je pense vraiment que ce tabac, il a été fait simplement pour le plaisir du fumeur et rien d'autre. C'est tout, hein. Le plaisir du fumeur amateur de ce genre de tabac, évidemment, hein. Vraiment, hein. Ouais, ça laisse des traces en plus, là, les cendres blanches comme ça laissent des traces. Moi, je pense que ce goût que je ressens, c'est les orientaux. Peut-être un peu le Virginie quand même aussi, hein. Alors, je ne suis pas formel, mais il y a peut-être un peu de sucre quand même. Sachant que là, c'est ma deuxième gorgée seulement. Hein. Alors, je rappelle simplement que quand je donne une note, je ne suis ni dur, ni clément. C'est vraiment une note sur l'échelle de mes goûts. Donc, dans certains commentaires, oui, tu es dur, etc. Non, en fait, c'est vraiment selon les goûts. C'est pour ça que je ne juge pas un tabac en soi parce que je ne pense pas être suffisamment calé pour me permettre de juger ou d'essayer de juger objectivement un tabac. Alors, évidemment, si je tombe sur une grosse daube, il va de soi que je vais dire ça, c'est bien pourri, ne le prenez pas. Mais jamais, en principe, vous voyez, jamais je ne le ferai. Jamais je ne l'ai fait dans mes vidéos. Tout au moins. Si une fois, je crois, avec le New Scoop Large, parce que c'est pas vraiment un tabac à pipe, hein, c'est un tabac, voilà, qui est fait pour les fumeurs de cigarettes et qui éventuellement, pour que ce soit moins cher, voudraient utiliser ces tabacs-là, soit à rouler, soit dans une pipe. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a plus rien. Combustion rapide, quand même, voire soutenue, hein, soutenue. Fumage court. Je vous invite quand même à regarder dans le générique combien de temps a duré la vidéo et combien de temps a duré le fumage. Hein. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, je monte mes vidéos et pour éviter que ces vidéos soient trop longues, inutilement longues, je coupe certains passages. Donc, regardez toujours dans le générique la durée des vidéos. En général, la durée du fumage pour vous rendre compte par rapport au produit fini, combien de temps j'ai réellement fumé pour en arriver à mes conclusions sur le tabac. Hein. Et donc pour ça, quelle note je donne? C'est difficile à dire. Il a du caractère, il gratte un peu. Mais il est trop constant, je trouve.
Il est trop constant, il manque de rondeur, même si j'ai dit que le Cavendish l'arrondit un peu. Bon, je trouve qu'il manque de rondeur. Et en revanche, c'est vrai quand même que pour la fumée, bon, il est très peu râpeux. C'est très peu râpeux en fait. Hein. C'est pas désagréable, hein. L'odeur n'est pas désagréable. Hein. La fumée en soi, voilà, quand elle arrive dans le nez, bon, il n'y a pas d'agressivité. Mais alors, pour cet inconfort un peu, pour le fait que vraiment le Latakia est trop timide, les orientaux turcs, moi je trouve aussi qu'ils sont très effacés, voire trop effacés, mais c'est ma perception à moi. J'aime bien un petit peu quand c'est quand même un peu relevé. Là, je trouve qu'il est neutre en définitive ce tabac, hein. Il est bien, il est sympa à essayer. Il est tranquille, mais ça va pas chercher des sommets en sensation, hein. Donc pour cela, je dis bien uniquement pour cela, sur l'échelle de mes goûts, je lui mets 13. Voilà, je lui mets 13. Bon, allez, un petit 14, hein, entre 13 et 14. Voilà, un petit 14 vraiment, pas tout à fait quand même, à cause de tout ce que j'ai dit. Sinon, expérience relativement agréable. Nous sommes largement en début de soirée. J'espère que je n'aurai pas le goût du tabac comme il m'arrive parfois d'avoir quand je fume un petit peu tard dans la journée, comme ça, le soir, dans la nuit, si je me réveille, ou le lendemain matin, j'espère. Donc, tout de même, ce Peterson My Mixture 965 à essayer, et pour ceux qui s'en contentent, c'est très bien, hein, tant mieux, hein. Mais moi, j'ai fumé mieux, hein, déjà, j'ai fumé meilleur. Voilà. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous nous retrouvons prochainement pour une prochaine revue dégustation qui sera consacrée à un aromatique.